le fait que Lena Niadbi, qui a déjà travaillé sur la façade ici, puisse continuer ce travail pour rendre ce bâtiment et ce signe visible depuis la tour Eiffel, sur 700 mètres carrés, va donner une lisibilité tout à fait particulière et tout à fait symbolique. L'idée était de s'inscrire dans un paysage qui est évidemment dominé par la tour Eiffel. Et puis la tour Eiffel, effectivement, c'est des millions de visiteurs, ce ne sont pas nécessairement des visiteurs de musée. Donc je pense qu'il y a une espèce de clin d'œil qui est intéressant. Quand l'œuvre sera installée, on découvrira sûrement d'autres points de vue auxquels on ne pense pas. Je ne sais pas exactement si ça sera visible depuis le bâtiment du Trocadéro lorsque les travaux seront terminés. Et puis il y aura peut-être des webcams qui seront installées, les satellites.